Deux jours, j'avais pas remarqué ça. C'est un peu une boîte de nuit ambulante finalement. Ouais, ouais, ouais. Et en même temps, c'est vachement pratique. Hein, parce que si t'as une roue à changer la nuit, et ben, tu me diras merci. Hein. En tout cas, bravo. Hein. Bravo. Tout le monde nous mate. Hein. Ah, bah, t'as qu'à couper le contact. Ça s'éteindra tout seul. Pour balancer la carte en prime. T'es un vrai ami, toi. Hein. Finalement, c'est très bien ces petites lumières pour changer. Oh non, Watling, t'abuses là. Ah non, j'y crois pas, t'as eu la panoplie à Noël ou quoi? Bah quoi? Tu peux aller à une rêve en costume, c'est trop... Ouais, en même temps, t'as raison, hein, c'est réussi. Hein. Ok, bon, alors là, on fait quoi là? Parce que ça craint là, ton histoire de guide, il arrive pas là. Et en plus, je pense qu'on va se reprendre une averse sur la gueule. Hein. Mais attends, il va arriver, il passe toutes les heures. Petite fraise tagada pour patienter? Bon. Des flashs en musique funky, il y a la basse qui frappe, la guitare qui choque, le batteur qui s'éclate, toi qui tiens le cheveu. T'as des roules comme un malade. Il est sponsorisé par Patata ou quoi? Regarde-moi ça. Mais il est où ce qu'on a? Attends, s'il avait continué tout droit, on le verrait là. Putain, mais tourne à gauche là, tourne à gauche, crétin. Il est là-bas, il nous attend. Fonce, fonce! Surtout maintenant, tu le lâches plus, hein. Mais déstresse, là, je suis collé au cul. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain, mais il est en cravate, le guide. C'est
Pas le guide, hein. C'est pas le guide. On dirait ton père. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais là, ça pue, les gars, hein. Il y a erreur, non? Hein? Ouais. Salut, papy. Alors, c'est chez toi, la teuf? T'es gonflé, toi, pour ton âge, hein. Non. Merci pour la promenade. Maintenant, on rentre. Non, on retourne au point de rendez-vous, j'ai un rencard, moi. Bonjour. Je vous répète, monsieur l'inspecteur, une bande de drogués. Des fous furieux. Oui. Ils ont fait fumer mon Victor. Hein? Non. Non, Victor, c'est mon chien. Dans ta vie, tu sais péter l'hectare ?